Voilà, ça y est, le départ c'est demain. Oui, mon cœur. On va aller à Strasbourg avec Emma. Tu es contente? Donc on va aller faire un week-end à Strasbourg et il n'y a rien du tout de prêt. Ce qui est vachement bien, c'est qu'Emma, elle m'aide. Ce bébé a deux personnalités quand il goûte. Truc de fou. Le truc en plus avec tout ça, c'est que j'ai plus aucune autorité. Emma, qu'est-ce que tu fais sur la table? Tu sais que tu as pas le droit. Ça y est, les affaires sont prêtes, je crois que j'ai tout. L'avantage, c'est qu'avec un bébé, on va être super léger. La voiture pas du tout chargée. Allez, c'est parti. On se dit à demain. Ça y est, c'est chargé. Ben, c'est parti. Hein. Go, on va chercher le petit déjeuner. Puis après, go Strasbourg. Le siège magique. Waouh! À tout à l'heure. Voilà, ça y est, on est au poulaillon. Allez, c'est parti pour le petit déj. On vient d'arriver à Strasbourg, la cathédrale est derrière nous. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil. Place de l'homme de fer. Emma a pris son premier tram. Voilà, avec Emma, on est devant notre belle dame de Strasbourg. On va tenter l'ascension des 332 marches pour essayer de faire un beau panoramique là-haut. T'es prête, Emma? Je crois qu'on arrive à la moitié, j'en peux déjà plus. Ça y est, on arrive. 332 marches et le panoramique derrière cette porte. Le plus dur, les 332 marches. Dans le manège.